people speak French. In this course, everybody speaks French. Commençons par mes parents. Don't be concerned if you can't understand what they say at first. Voilà mon père et ma mère. Listen, watch, and get involved. Voilà. Pretty soon you will figure out what's going on. Mon Dieu. And be able to say a few things in French yourself. Returning to Paris, Robert and Mireille get seats on a crowded train, unaware that they are sharing the compartment with a mysterious man in black. Tonight, Mireille must visit a friend in Saint-Germain. Tomorrow, one in Provence. Robert, ever jealous, spends hours trying to find her. Dans le train de Chartres, au retour, Robert n'est pas de très bonne humeur. Il y a beaucoup de monde dans ton train. Regarde-moi ça. Tous les compartiments sont bondés. Non, mais c'est pas vrai. Toutes les places sont prises. Regarde-moi ça. Les gens sont serrés comme des sardines. Si j'avais su, je serais resté chez moi. Ou j'aurais loué une voiture. Ouais, ou tu serais venu à pied. Ne t'en fais pas. On ne va pas rester debout dans le couloir. Allons voir plus loin. On trouvera bien une place. Bah tiens, qu'est-ce que je te disais, ce compartiment est vide. Enfin, presque vide. Il y a dans un coin un passager caché derrière un journal. L'homme en noir, bizarre. Je comprends vraiment pas comment tu peux préférer le train à la voiture. J'apprécie la SNCF. La quoi ? La SNCF. La Société Nationale des Chemins de Fer Français. Mais remarque, je n'ai rien contre la voiture. Au contraire, j'aimerais bien avoir une petite voiture. Décapotable. Ou au moins avec un toit ouvrant. Et un grand coffre pour mettre mes valises avec toutes mes robes dedans. Et un mini-vélo. Une petite 205 Peugeot. Tu ne préférerais pas une petite Alpine Renault par hasard? Moi, ça, bien sûr. Ça, c'est de la bagnole. La vraie voiture de sport. Nerveuse, rapide. Des reprises foudroyantes. Et comme tenue de route, c'est formidable. Ça se conduit avec le petit doigt. Et ça marche, tu peux faire du 140 à l'heure toute une journée sans chauffer. Et comme freinage, impeccable. 4 freins à disque assistés. Et ça ne consomme presque rien. 6,5 litres au 100. Et dis donc, tu as l'air de t'y connaître. Pas forcément, c'est de naissance. Mon père est chez Renault. Mais de toute façon, tout ça, ce n'est pas pour moi. Remarque que d'une certaine façon, j'aime autant faire de l'autostop. Tous les avantages de la voiture, sans les inconvénients. Tu fais de l'autostop? Ça m'est arrivé. Une fois, je suis allée de Paris à Genève en stop. J'ai mis 8 heures. C'est pas mal. Mais ce n'est pas dangereux? Tu n'as pas peur? Non. C'est ça le charme. Ça y est, on est arrivé. Mireille et Robert descendent du train et sortent de la gare Montparnasse. Si on allait dîner sur un bateau mouche, ce serait bien. Je t'invite. Ça peut être bien, non? Avec tous les monuments illuminés. Oh, penses-tu? C'est un truc pour les touristes américains, ça. T'es pas un touriste américain, toi. De toute façon, ce soir, je suis pas libre. Je dois aller chez une amie pour voir Saint-Germain. Et l'autobus est par là. Comment? Ton chauffeur ne t'attend pas avec l'Alpine? Mon chauffeur?
Ah non, pas ce soir. Ce soir, je lui ai donné congé. Oh, tiens, voilà mon bus qui arrive. Bon, un jeudi soir. N'oublie pas que tu dînes à la maison vers 7h30, 8h. Est-ce que je ne pourrai pas te voir demain? Non, impossible. Demain, je vais à Provins. Au revoir. Salut. L'autobus démarre. Une amie? Ça ne m'étonnerait pas si cette amie avait un petit air suédois et de belles jambes musclées dans un petit short bleu ciel. Robert serait-il jaloux? Taxi! Il arrête un taxi. Boulevard Saint-Germain, s'il vous plaît. Où est-ce que je vous arrête? Je ne sais pas. Ah, moi non plus. Au café de Flore? Oui, c'est ça. Mireille, ni de Suédois au Flore, ni au Demago, ni chez lui, ni au Drugstore, ni à la Romerie Martiniquaise, ni chez Vagenand, ni au Procop, ni au Tabou, ni au Riverside, ni au Whisky à Gogo. Où peut-elle bien être? Où peut-elle bien être? Ça, je ne sais pas. Robert et Mireille quittent Chartres et sa cathédrale. Ils sont allés à la gare pour prendre le train jusqu'à Paris. Ils viennent de monter dans le train. Ils cherchent des places. Ils regardent dans tous les compartiments, mais il n'y a pas de place. Il y a beaucoup de monde. Tous les compartiments sont bondés. Le train est bondé. Il n'y a pas de place. Toutes les places sont prises. Ici aussi, le train est bondé. Toutes les places sont prises. Mais ici, non. Ici, il y a des places libres. Ici aussi, il y a des places libres. Ici, il y a des places libres. Là, il y a deux places libres, mais la troisième est prise. Dans ce wagon, il y a un couloir et des compartiments. Un compartiment, le couloir, un couloir à la fac. Un couloir dans le métro. Ici, Robert et Mireille sont debout dans le couloir. Ici, ils sont assis dans un compartiment. Où sont le monsieur et la dame? Dans le couloir ou dans le compartiment? Dans le compartiment. Et le contrôleur, il est dans le compartiment ou dans le couloir? Dans le couloir. Robert n'est pas content parce qu'il y a beaucoup de monde. Non, mais c'est pas vrai. Toutes les places sont prises. Non, mais c'est pas vrai. Il n'est pas content. Regardez Mireille ici. Elle n'est pas contente, elle non plus. Oh non, c'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai. Toutes les places sont prises. Regarde-moi ça. Les gens sont serrés comme des sardines. Le train est bondé. Les gens sont serrés. Ils sont serrés comme des sardines. Robert n'est pas content. Il rouspète. Il regrette d'être venu. Si j'avais su, je serais resté chez moi. Si j'avais su... Regardez Marie-Laure ici. Elle n'est pas contente, elle non plus. Elle est indignée. Elle regrette d'avoir tellement travaillé. Si elle avait su, elle aurait regardé la télévision au lieu de travailler. Il n'y a pas de justice. Si j'avais su, j'aurais regardé la télé. J'ai mis une heure pour faire ce devoir. C'est un scandale. Mireille est optimiste. On trouvera bien une place. Bah tiens, qu'est-ce que je te disais? Mireille a toujours raison. Ce compartiment est vide. Regardez, Marie-Laure non plus ne se trompe jamais. Ça, c'est 10 de carreau. Qu'est-ce que je disais? Je ne me trompe jamais. Enfin,
presque jamais. Ce compartiment est vide. Enfin, presque vide. Ce compartiment est vide. La salle est vide. Enfin, presque vide. Ce verre est plein. Celui-ci est vide. La boîte de chocolat est vide. Enfin, presque vide. L'assiette est vide. Le wagon est vide. Mireille apprécie la SNCF, la Société Nationale des Chemins de Fer Français. Tout le monde apprécie la SNCF. Parce que les trains sont commodes, confortables, plaisir de vous informer qu'un bar détente est à votre disposition pendant tout le parcours. Vous y trouverez un assortiment d'assiettes froides, des croque-monsieur, sandwich, café et consommation. Et surtout, les trains sont ponctuels. Et puis, les trains sont rapides. Tout le monde apprécie la SNCF. Tout le monde prend le train. Mais elle aimerait bien avoir une voiture. Si elle était riche, elle aimerait bien avoir une voiture. Mais est-ce que Mireille est riche? Non, elle n'est pas riche. Si elle était riche, ça c'est une supposition. Une supposition contraire à la réalité. Si elle était riche, supposition, elle aimerait avoir une voiture. Si elle était riche, c'est l'imparfait. Elle aimerait avoir une voiture, elle aimerait, c'est le conditionnel. Elle aimerait avoir une voiture décapotable ou une voiture à toit ouvrant. La deux chevaux, par exemple, a un toit ouvrant. Un toit ouvrant. Un toit ouvrant. Elle voudrait un grand coffre pour mettre ses bagages. Le coffre est plein. On peut mettre beaucoup de choses dans un coffre. Mireille voudrait un grand coffre pour mettre ses valises. Voilà des valises. Une valise, une valise. Regardez ce monsieur et cette dame. Ils ont deux enfants et une valise. C'est intéressant, les valises. Mireille aimerait bien avoir une Alpine parce que ça... C'est de la bagnole. Hein. Ça, c'est de la bagnole. Ça, c'est de la bagnole. C'est une voiture rapide, nerveuse, avec des reprises foudroyantes. Elle accélère vite. Des reprises foudroyantes, comme la foudre. Voilà un regard foudroyant. Et comme tenue de route, c'est formidable. C'est une voiture qui tient bien la route. Une voiture qui tient la route. La voiture tient la route d'une manière surprenante. Voilà une petite voiture qui tient très bien la route. Celle-là aussi, elle tient bien la route. Elle tient la route. C'est une voiture facile à conduire. Ça se conduit avec le petit doigt. Et on peut faire du 140. Du 140 km à l'heure pendant toute la journée... sans chauffer. Voilà une voiture qui chauffe. Mais l'Alpine ne chauffe pas. Et comme freinage, impeccable. Ça freine bien. C'est une voiture qui a de bons freins. Voilà la pédale de frein.
Et voilà le frein à main. Les freins ? Bob a l'occasion de les essayer à fond au cours de la traversée rapide d'une ville. Ce sont des freins mixtes, à disque à l'avant, à tambour à l'arrière. Pour les freins, c'est ici l'épreuve du feu. Un frein, freiner, le freinage. Et ça ne consomme pas tellement, ça ne consomme pas beaucoup d'essence. Regardez, un vélo moteur, ça consomme beaucoup ? Non, ça consomme très peu d'essence. Et Robert et Mireille consomment des kirs. L'Alpine ne consomme pas beaucoup, environ 7 litres au 100. 7 litres pour faire 100 km. La R5 consomme encore moins. Et comme freinage, impeccable. 4 freins à disque assistés. Mireille a l'air très experte en voiture. Elle a l'air de s'y connaître. Mais dis donc, tu as l'air de t'y connaître. Le vin, il s'y connaît. Puis chez nous, tout le monde adore l'odeur de soupine lavande. Mmh. Et la lavande d'ici, on s'y connaît. Mireille est experte en voiture. Elle s'y connaît. Pas forcément. C'est de naissance. C'est de naissance, puisque son père est ingénieur chez Renault. Elle est née comme ça. Mireille n'a pas de voiture. C'est dommage. Elle aimerait bien. Mais, d'une certaine façon, elle aime autant faire de l'autostop. Voilà Robert et Mireille qui font de l'autostop. Voilà quelqu'un qui fait de l'autostop. Voilà le dessinateur Serre qui fait de l'autostop. Lui aussi, il fait de l'autostop. Et eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font de l'autostop ? Non, ils font du bateau-stop. L'autostop, c'est très bien. Ça a tous les avantages de la voiture, sans les inconvénients. La voiture a des avantages. C'est rapide, ça c'est un avantage. C'est commode, ça aussi c'est un avantage. Mais ça consomme de l'essence, ça c'est un inconvénient. Ça tombe en panne, ça aussi c'est un inconvénient. Tu fais de l'autostop ? Oui, ça m'est arrivé. Ça lui arrive. Il lui est arrivé de faire de l'autostop. Elle a fait de l'autostop quelquefois. Pas souvent, mais ça lui est arrivé. Observez ce que dit Marie-Laure. Tu travailles bien à l'école ? Tu as 10 sur 10 à tes devoirs ? Ça m'est arrivé une fois. Et tu as 0 quelquefois ? Ça m'est arrivé. Une fois, Mireille est allée de Paris à Genève en autostop. Elle a mis 8 heures. Elle est partie à 1 heure et elle est arrivée à 9 heures. Elle a donc mis 8 heures. Maintenant, écoutez bien cet échange entre Mireille et Robert au sujet de l'autostop. Ensuite, vous répondrez à Robert comme si vous étiez Mireille. Tu fais de l'autostop ? Ça m'est arrivé. Maintenant, répondez à Robert comme si vous étiez Mireille. Tu fais de l'autostop ? Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Maintenant, nous allons demander à quelqu'un s'il fait de l'autostop. Est-ce que vous faites de l'autostop ? Très rarement. Très rarement. Ça ne vous est jamais arrivé ? Si, ça m'est arrivé, mais rarement. C'est dangereux de faire de l'autostop ? Bah oui, il faut prendre certaines précautions quand même. Robert propose à Mireille d'aller dîner sur un bateau-mouche. Si on allait dîner sur un bateau-mouche, ce serait bien, je t'invite. Ça peut être bien, non ? Les bateaux-mouches, ce sont des bateaux qui montent et qui descendent la Seine. Il y en a des petits... Et il y en a des gros. Sur les gros, on peut dîner le soir. Bien sûr, c'est un truc pour touristes. Mais c'est pas mal. C'est une façon de voir une partie de Paris. Et le soir, on voit les monuments illuminés. Ce serait bien, je t'invite. Ça peut être bien, non ? Avec tous les monuments illuminés. Ce serait bien. Écoutez ce que dit Marie-Laure. Si je n'avais pas ce mémoire à finir pour demain, on pourrait aller au cinéma. Oui, ça serait bien. Mireille ne peut pas accepter l'invitation de Robert. Elle n'est pas libre ce soir. Elle doit aller chez une amie qui habite boulevard Saint-Germain. Elle va prendre l'autobus ici pour y aller. De toute façon, ce soir, je ne suis pas libre. Je dois aller chez une amie, boulevard Saint-Germain. Elle vérifie le numéro et l'itinéraire de l'autobus. Robert pense à l'Alpine
et au jeune homme à l'air suédois qu'il a vu à Chartres. Et il dit, très sarcastique, tu vas prendre l'autobus? Comment ça? Ton chauffeur ne t'attend pas avec l'Alpine? Il a l'air vraiment jaloux, ce Robert. Un chauffeur de taxi. Remarquez que ce chauffeur est une femme. Mireille ne comprend pas cette allusion sarcastique de Robert. Mon chauffeur? Ah non, pas ce soir. Je lui ai donné congé ce soir. J'ai donné congé à mon chauffeur. Je lui ai dit, James, je n'ai pas besoin de vous ce soir. Vous pouvez prendre la soirée. Mireille s'en va. Et Robert, resté seul sur le trottoir, devient de plus en plus soupçonneux. Une amie? Ça ne m'étonnerait pas si cette amie avait un petit air suédois et de belles jambes musclées dans un petit short bleu ciel. Ça ne m'étonnerait pas. Observez ce que dit Marie-Laure ici. Ça ne m'étonnerait pas si c'était des chocolats. Tout juste, des chocolats. J'avais deviné. Cette petite est vraiment très intelligente, très perspicace. Une amie? Ça ne m'étonnerait pas si cette amie avait un petit air suédois et de belles jambes musclées dans un petit short bleu ciel. Qu'est-ce que Robert est en train d'imaginer? Que Mireille a rendez-vous au boulevard Saint-Germain avec le jeune homme de Chartres? Quoi qu'il en soit, il arrête un taxi pour aller au boulevard Saint-Germain. Taxi! Boulevard Saint-Germain, s'il vous plaît. Au boulevard Saint-Germain, oui, très bien, mais où? Où est-ce que je vous arrête? Je ne sais pas. Ah, moi non plus. Le boulevard Saint-Germain, c'est vague, c'est grand. Il est long, le boulevard Saint-Germain. Le chauffeur de taxi, qui est une femme, propose d'arrêter Robert au café de Flore. Au café de Flore? Parce que c'est un des endroits les plus connus de Saint-Germain-des-Prés. Un café littéraire où on voyait Jean-Paul Sartre autrefois, tout près de l'église Saint-Germain-des-Prés. Robert cherche Mireille au café de Flore, mais elle n'y est pas. Il cherche au De Magot, un autre café très connu, juste en face de l'église. Il va voir en face, à la brasserie Lippe, un autre café et restaurant très connu. Il va voir à côté, au drugstore, à la romerie martiniquaise, où on sert surtout des punchs, des boissons au rhum, chez Vagenande, un restaurant de style 1900, au Procope, le plus vieux café de Paris qui date du XVIIe siècle, au Tabou, une cave, un nightclub très connu, partout quoi, mais pas de Mireille, nulle part. Où peut-elle bien être? Où peut-elle bien être? Je sais pas. Personne ne le sait. Voyons ce que vous savez. Écoutez, regardez, réfléchissez et parlez. Regardez. Est-ce que toutes les places sont prises ou est-ce qu'il y a des places libres? Il y a des places libres. Et ici, est-ce qu'il y a des places libres ou toutes les places sont prises? Toutes les places sont prises. Regardez Robert et Mireille. Ils sont dans le compartiment ou dans le couloir? Dans le couloir. Et ce monsieur, il est dans le compartiment ou dans le couloir? Dans le compartiment. D'après cette image, est-ce que vous pouvez dire que cette voiture a des reprises foudroyantes ou qu'elle freine bien? Qu'elle freine bien. Regardez Robert et Mireille ici. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font de l'autostop ou ils prennent le train? Ils font de l'autostop. D'après vous, ça, c'est un aéroglisseur ou un bateau-mouche? Un bateau-mouche. Vous avez une voiture qui consomme très peu. C'est un inconvénient ou un avantage? C'est un avantage. Vous recevez un cadeau et vous êtes presque sûr que ce sont des chocolats. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites... Ça ne m'étonnerait pas si c'était des chocolats. Encore une fois.
Ça ne m'étonnerait pas si c'était des chocolats. Vous n'êtes pas content. Vous regrettez d'être venu. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites... Si j'avais su, je serais resté chez moi. Encore une fois. Si j'avais su, je serais resté chez moi. Maintenant, votre fille ou votre petite sœur fait une bêtise. Elle laisse tomber le plateau du goûter, par exemple. Qu'est-ce que vous dites? C'est pas vrai! Encore une fois. C'est pas vrai! Une fois de plus, vous avez raison. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que je disais? Je ne me trompe jamais. Encore une fois. Qu'est-ce que je disais? Je ne me trompe jamais. Je crois qu'il y a une souris par ici. Vous n'avez pas vu une souris? Qu'est-ce que je disais? La voilà. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Guignol? Il y a une souris! Mais enfin, monsieur Guignol, c'est pas vrai. Vous avez peur des souris? Oh, oui, alors. Mais voyons, à votre âge... Oui, j'ai peur des souris, c'est de naissance.